Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et la petite comparaison de l'oracle des cristaux du chaman de Mayatol dans sa toute nouvelle version en coffret, en boîte cloche, hein. Non pas en boîte cloche, en boîte aimantée, avec la première version qui comportait un beau livre comme ceci. Je me suis dit que j'allais vous le présenter. Donc, c'est paru aux éditions Larousse et je les remercie de me l'avoir fait parvenir pour pouvoir vous le partager. Voilà. Donc ici, ça arrive dans une très jolie boîte cloche. Hein. J'aime bien ça. Comment c'est irisé, voilà. Je trouvais plus le mot. C'est très, très beau. Hein. Donc, on a 36 cartes et un petit livre pour le pouvoir des cristaux, forcément. Voilà. Donc, je vais vous relire ce qui est écrit au dos, du coup. Alors, l'oracle cristaux du chaman. Découvrez les multiples facettes de votre moi profond en vous connectant au pouvoir énergétique et guérisseur des pierres et des cristaux. Dans ce coffret, vous avez 36 cartes oracles de pierres et cristaux avec leur monde de signes et de symboles. Le lapis-lazulis pour la souveraineté, l'améthyste pour l'émerveillement, la rhodonite pour le soin du cœur, autant de guides qui éclaireront votre chemin de vie. Le livre d'interprétation de chaque cristal avec un mode d'emploi pour apprendre à tirer les cartes de différentes manières selon vos besoins, chercher d'éventuels blocages ou une vérité. Donc Mayatol est une psychothérapeute chamane et une spécialiste du monde sauvage et animal. Elle continue d'explorer la médecine magique de la terre à travers les pierres. Et il est au prix de 19,90 €. Voilà. Alors, quand on l'ouvre, on a l'intérieur qui est comme ceci. C'est très beau. Hein. On a le fameux petit livre, hein, toujours irisé. C'est très, très joli. Et on a un petit ruban pour attraper les cartes. Voilà. Et l'intérieur est violet. Donc ça, on va le mettre de côté. Et ici, par contre, je vais juste le mettre ailleurs. On avait ce magnifique livre. Voilà, l'intérieur était comme ça aussi. Et où on avait encore une fois plus d'infos que dans le petit livre qu'on a ici maintenant. Voilà. Si jamais vous avez envie de voir la présentation complète du livre, je vous mettrai le lien vers la présentation que j'en avais fait directement dans la barre de description. Comme ça, vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour aller le voir. C'est comique. Que c'est la première carte que j'ai sortie du jeu pour vous comparer et c'est la carte du Pérido qui est souvent associée au signe astrologique de la Vierge. Donc en général c'est ma pierre, voilà. Donc dans le grand livre, on avait l'illustration de la carte en très très grand. Tout de vie en vous, voilà ici un petit mot on avait. Et c'est la même chose, hein. Dans le petit livret que vous recevez maintenant avec les grandes cartes, vous avez ceci, mais vous n'avez pas le rituel ni la petite réflexion à faire. Voilà. C'est dommage parce que franchement, le livre était magnifique. Je vais vous tenir exactement le même discours que je vous ai tenu pour le coffret sur le bestiaire. Franchement, le livre vaut le détour. Et dans la nouvelle version, ce sont les cartes qui valent le détour. Donc, pour moi, ces deux-là ensemble font un combo parfait. C'est juste dommage qu'ils n'ont pas remis ce gros livre avec les belles cartes. Ça aurait été le combo gagnant. Donc, moi, je suis bien contente d'avoir les deux et je vais bien garder les deux. Et honnêtement, si je les avais pas, j'aurais acheté... les deux, parce que les cartes ici, la qualité était très très fine. Hein. D'ailleurs, je vous avais conseillé de les plastifier. C'était des cartes qui étaient attachées ensemble, qu'il fallait détacher. Et les illustrations étaient petites. Tandis que maintenant, dans le grand coffret, dans le coffret aimanté, vous avez les cartes en beaucoup plus grand. Et regardez ici la différence, c'est nettement plus agréable. Pour profiter de la beauté des illustrations, de les avoir en grand. Sinon, on a exactement la même chose. Hein. On a ici une petite phrase. En dessous, on a toujours le nom de la pierre avec le numéro dans lequel elle se trouve dans le livret. Et le dos. J'aime bien celui-ci, forcément, parce qu'il y a un petit rat et un petit... Enfin, il y a plein de choses. Un petit rat, un petit lézard, des cristaux. Voilà, et il est un peu irisé aussi. Tandis qu'ici, on avait plutôt un petit papillon. Voilà. Bon, il était beau aussi, hein, j'avoue, mais bon.
Et la qualité, il n'y a pas photo, est nettement meilleure que celle-ci. Voilà. Du coup, je vais vous montrer les grandes cartes. Il n'y a pas de raison qu'on ne se fasse pas plaisir. Et comme ça, si vous n'avez pas vu la revue du livre, bah, au moins, vous profitez des cartes. Voilà. Donc ici, on a le Péridot. Regardez-moi ça. Oh, la rhodonite avec ce colibri, comme elle est belle. Et il est marqué « Soignez votre rythme cardiaque ». Et on voit le cœur ici. Il est magnifique. Le quartz rose, une différente sorte d'amour. Le rubis, vous en beaucoup plus. Elles sont vraiment belles. Centre sacré pour, avec la sélénite. Oh, celle-là aussi. Le quartz fumé, laissez-vous aller avec ce petit écureuil. Oh, c'est trop joli. J'adore ce qu'elle fait sur ses cartes. L'opale noble, visualiser le futur. La, le grenat almandin, explorer votre lignée. Oui, ici, on reconnaît tout de suite l'ambre. Que devenez-vous? L'améthyste, émerveillez-vous. L'amolite, faites confiance au temps. L'azurite, activez le vide. La topaze bleue, la bienveillance et l'écoute. La cornaline, soyez curieux. Chrysocolle, de quoi avez-vous besoin? Elle est très belle aussi celle-ci. Oh, bah alors celle-là. L'émeraude, choisissez votre voie avec ce magnifique chat. Et j'adore les yeux ici. On a un œil, on dirait, de tigre, de caméléon, ça c'est sûr. Les mantes religieuses, et là je dirais plutôt un aigle peut-être. Quartz paysage, il y a des mondes en vous. La houlite, vous êtes la base. Le larimar, d'abord le feu. Oh, elle est belle. La lépidolite, respirez dans votre vérité. Magnifique licorne. Oh. Le sel, les fondements de l'humanité. La sodalite, que le calme soit. La sugilite, découvrez-vous. La turquoise, trouvez le chemin du retour. Elle est trop belle aussi. Lapis-lazuli, accéder à la souveraineté. Flux et reflux, pierre de lune. La morganite, emplissez-vous. L'obsidienne, tranchez dans le vif. La tourmaline noire, la transmutation. Avec un pissenlit. La citrine, le plein de richesses. Le quartz clair, avec ce dragon chinois, le seul soutien. Le quartz élestial, devenez sage. Ici en haut, on reconnaît un petit hibou. Ah, la fluorite verte, avec S à moi, avec des hirondelles. J'aime bien. L'hématite, ancrez-vous. La topaze impériale, vous vivez dans l'abondance. Et on termine avec la labradorite, illuminez votre nuit. Voilà. Oui, je voulais vous juste vous montrer la taille par rapport à une carte de tarot, parce que ça, je ne l'ai pas encore fait. Ça y est, je viens avec une plume de mon coq qui est venue avec. Voilà. Pour vous montrer quand même la taille. Comme ça, on essaye d'être le plus précis. Hein. Elles sont un tout petit peu plus hautes, mais beaucoup plus larges qu'un tarot classique. On va, je vais quand même vous montrer ce qu'il y a dans le petit livret maintenant. Hein, et puis, on en tirera une et je vous lirai le message. Voilà. Donc, pareil que l'autre, hein, comment travailler avec les cartes des cristaux. Puis, on a tirage en une carte, le tirage en deux cartes, le croisement. Voilà. Trois cartes approfondissement d'une situation. Et puis, on passe directement aux plantes. Voilà. Aux plantes, aux cristaux. Aux plantes, mais oui, aux cristaux, voilà. Zou. Donc, évidemment, le grand livre, enfin, c'est le petit, la couverture est très jolie, mais ici, il a vraiment une vraie couverture
en dur, il n'y a pas photo. Et par contre, les cartes étaient rangées ici, vous voyez, dans une petite enveloppe. Et ça, c'était moins pratique, ma foi. Voilà. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait dans la première édition, hein, directement les grandes cartes. Mais c'était dans les tout premiers, je crois que c'était même les premiers oracles que les éditions Larousse ont sortis. Et bah, ils ont commencé avec des petites cartes. Et puis, sans doute qu'ils se seront rendus compte que les gens préféraient peut-être des plus grandes cartes et plus de qualité dans les cartes aussi. Et du coup, bah, c'est certainement pour ça qu'ils ont ressorti maintenant ce format-ci. Voilà. En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir les grandes cartes parce que j'adore ce que fait Maya Toll. D'ailleurs, je me demande s'ils vont sortir le troisième. Ils ont pour le moment sorti les grandes cartes pour l'herbier et... Non, pas l'herbier, les cristaux et le bestiaire, mais je n'ai pas encore aperçu l'herbier. Voilà. Du coup, quelle pierre a un message à nous transmettre? Elles se mélangent très, très bien. J'aime bien le bruit qu'elles font, d'ailleurs. Youp. On a la houlite. Vous êtes la base. J'en ai une d'ailleurs, mais elle est dans ma boîte à pierre. Alors, c'est le numéro 21 dans le petit livret. Voilà. Je vais peut-être quand même vous montrer, bien qu'ici, si je veux vous montrer, il va falloir que j'aille dans le sommaire, juste pour vous montrer qu'on a bien ça dedans ici. Mais ici, c'était par ordre alphabétique, non, même pas. La houlite, la 43. Où es-tu, 43? Voilà, donc vous voyez ici maintenant, on a ceci. Ce texte-ci. Voilà, mais on n'a pas tout ça là derrière. Mais je vous lirai ça aussi. Comme ça, vous aurez un exemple. Voilà. Alors, l'échelle de mots 2,5, 3,5. Ça, c'est une échelle vibratoire, hein, une fréquence vibratoire. Tendre n'est pas un objectif généralement utilisé pour décrire une pierre, mais il convient parfaitement à la houlite. Chut, chuchote-t-elle à votre esprit. Revenez vers le centre, asseyez-vous tranquillement. La houlite ne vous demande pas de vous blottir dans votre lit avec une tasse de camomille et de baisser les rideaux, c'est tout le contraire. Cette pierre sait que vos projets, vos entreprises, vos conversations et vos relations couleront de source si vous restez serein. Vous êtes le fondement, partez de votre centre, sans vous laisser distraire, énerver ou irradier. C'est là que réside votre pouvoir, il y a en vous un lieu calme. Plongez-y, conseille la houlite. Voilà, voilà. Donc, plongez en vous pour retrouver calme et sérénité. Hein. Et bah, du coup, dans le grand livre, ce qu'on a en plus, c'est qu'il y a un rituel, ici, que je vais vous lire, hein, un sommeil de rêve. Il est difficile de s'endormir quand l'esprit analyse la journée passée tout en listant les choses à faire pour le lendemain. Ça, c'est du vécu. Éteignez tous les écrans pour que votre esprit se détente et glisse dans la zone de calme de la houlite. Préparez-vous une tisane. Soyez présent à l'eau qui chauffe. L'eau et le feu sont deux éléments des quatre éléments. Puis versez-la sur des feuilles ou des fleurs qui symbolisent la terre. Sachez que vous créez un équilibre et que votre esprit, l'air, y participe. Faites le bilan de votre journée et listez vos besoins pour le lendemain. Dites-vous en vous glissant dans le lit que tout ce à quoi vous devez penser est couché sur le papier et que votre esprit peut s'apaiser dans le sommeil. Voilà. Et alors ici, on a en plus une réflexion. Une petite réflexion, des petites questions à se poser. Et je vous avais d'ailleurs dit que ces questions pouvaient très bien être des questions qu'on pouvait poser à son tarot. Alors, déstabiliser. Imaginez un arbre, ses racines plongeant dans la terre, ses branches dressées vers le soleil. Le tronc est son centre. Quand les racines sont fortes, il est stable et solide. En esprit, grimpez le long du tronc jusqu'à la première branche. Bien que grosse et robuste, elle se balance un peu. Maintenant, avancez jusqu'à une petite brindille. Sentez l'oscillation et la vibration. Sur cette extrémité, une simple brise peut vous déséquilibrer. Alors, les petites questions à vous poser. Si votre esprit était un arbre, vos pensées seraient-elles comme le tronc, les branches ou les brindilles? Quelle différence entre des pensées tronc et des pensées brindilles? Et ici, il y a une petite citation. Quand nous créons la paix, l'harmonie et l'équilibre dans notre esprit, nous le trouvons dans notre vie. De Louise L. E. Voilà. Et moi, je trouve quand même très chouette d'avoir
Bah, le rituel et la réflexion en plus. Voilà. Bah, du coup, comme ça, je ne retrouve plus la boîte. Elle est ici. Voilà. Comme ça, je vous ai un petit peu montré, bah, comme celui pour le bestiaire, hein, la petite comparaison entre la première version et la deuxième version. À savoir qu'on trouve toujours celle-ci sur Amazon. Hein. J'ai été voir, elle est toujours disponible, la version livre. Forcément, celle-ci est disponible aussi. Si jamais vous avez le budget, vous pouvez toujours acheter les deux pour avoir le combo parfait. Ou à vous de voir si vous privilégiez les infos dans le livre et si ça ne vous dérange pas d'avoir les petites cartes. Ou si au contraire, bah, vous pouvez vous contenter du message ici si vous n'avez pas envie des rituels. Tout le monde ne fait pas les rituels. Et si vous privilégiez plutôt les grandes cartes. Voilà. Du coup, dites-moi en commentaire bah, si vous avez déjà cette version, la première édition. Ou si vous avez la version en anglais. Parce qu'elle était d'abord en anglais. Et ensuite, elle a été traduite en français. Si vous le connaissiez ou absolument pas. Si vous le trouvez beau ou si ça vous intéresse pas plus que ça. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble. Comme d'habitude, pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!